Métro, écoute, chez Métro, tu as le rôti de contrefilet, même chose que chez IGA, mais il est à 5,77 la livre. Donc, chez IGA 4,99, chez Métro à 5,77, le même, le même contrefilet finalement. Lui, il est en rôti, il l'offre en bifteck. Tu peux le demander, probablement, c'est sûr. Euh, ou bien, 12 et 72 de kilo. C'est quand même, écoute, c'est un très bon prix là, pour une euh, belle protéine comme ça chez Métro et tout. C'est super. Ça, c'est sûr. Fait que profite Aussi, chez Métro, tu as leur de filet mignon. Ça, c'est super spécial. À 13,77 l'allée ou si tu préfères, 30 et 36 le kilo avec lui. T'sais, il est tout paré. Là. Il y a juste une petite membrane dessus à enlever. Le c'est juste le routi. Donc, euh, normalement, tu ne devrais pas avoir beaucoup de pertes avec euh, ce routi-là. Il est déjà assez bien paré. Lui, il reste des petites retouches à faire et c'est tout. Mais, vraiment. C'est une viande euh, facile à travailler, puis euh, super winner. Là. Tu peux pas tomber. C'est dur de manquer du filet mignon, ça c'est sûr. Aussi chez Metro, ben, écoute, t'as le filet de saumon, comme je t'ai dit, il a à plusieurs places cette semaine, donc aussi chez Métro, à 6,77$. La livre, si tu préfères, 14,93$ de kilo en bas de 15$ le kilo. Pour du vrai filet frais de saumon, là. Mmh, mmh. Délicieux, fait que je te conseille cette semaine. Je pense qu'on va marcher du saumon. <laughs> fait que, écoute, c'est ça qui est ça toi, pour chez Métro cette semaine. Hein? Ça va vite? Écoute, c'est sûr que je t'encourage bien sûr à t'abonner à la circulaire de papa papa pour l'avoir le, pour tous les mercredis avant 18h dans ton courriel. tu es sûr d'avoir les meilleurs rappels? Identifié par moi-même, hein? ça, ça c'est super. En plus, ben, tu m'encourages, ça, ben c'est pas rien, hein? C'est sûr. Écoute, je te souhaite là un super Noël. Ça va être spécial cette année, c'est sûr. Écoute, euh, qu'est-ce que je te disais? Pas moi qui décide ça, c'est sûr, <laughs> parce que c'est pas ça que je déciderais, hein? Mais bon, euh, une affaire qui est sûre, c'est que ça reste le temps des fêtes, puis on a toujours des gens autour de nous qu'on aime, qu'on va pouvoir voir, aller voir aussi une personne seule, aller les voir, là, essayer de respecter ça, puis aller les voir surtout, là, pas laisser les gens seuls, ça c'est bien important, tu sais, complètement seul, de les oublier, il ne faut pas faire ça parce que c'était un moment Noël pour se rassembler normalement, puis pour s'unir, puis pour s'aimer. Cette, cette année, ça va être différent, mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, puis c'est important qu'on qu'on se tienne, ça c'est sûr, dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'on a le plus besoin des autres en plus de ça. Donc, c'est une occasion vraiment d'appeler les gens, de faire quelque chose, d'avoir l'imagination pour ne pas laisser nos personnes seules. Hein? Ça, c'est bien important. Je compte sur toi, là, c'est toi le poteau, tu le sais, hein? c'est toi la personne responsable dans ta famille. Donc, tu n'es pas, pas juste responsable de l'épicerie, puis, euh, hein? c'est ça qui arrive. Tu es responsable aussi euh, du bonheur de ta famille. Hein? puis, ça... C'est ça qui compte le plus. Écoute, je te souhaite, bien sûr, un joyeux Noël, une bonne année. Je nous souhaite une super année 2021, là, parce que 2020, elle ne sera pas du à <laughs> Fait que j'imagine qu'on va être capable de battre ça, c'est sûr. Fait que je te, je te, je te retrouve, moi, l'année prochaine. Hein? À une date, là, au début du mois, là, de janvier, tu sais, après, là, dans le fond, là, tu sais... Le, le mercredi, tu vas avoir dans ton courriel après les, après les fêtes, là, ton tas circulaire pour les abonnés, inquiétez-vous pas, euh, puis je pense à vous autres, ça c'est certain. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr hein, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Papa. Bye!